Re-salut à tous, c'est Brody et Sou. Ouais, et la Bolivie. Et la Bolivie, ouais. Bon, il va falloir qu'on retravaille notre intro, je crois, hein, parce que c'est... Ouais, c'est toujours la même chose. Bah, de toute façon, on peut que dégrader le jeu. Je à ce que le concert d'El Chido ait lieu. Sans leur interprète vedette, je leur souhaite bien du courage. Ramenez-moi El Chido. Pas la prétention. Alors, il faut... Allez, bah on va aller sur le déjà, le contrat. En même temps, maintenant que tu le dis, si tu veux, j'ai une petite chanson que tu peux chanter pour l'intro. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, chante-la moi, là. Ah non, mais j'ai la guitare. Mais, tu te démanches. Bah non, mais j'ai une corde cassée, je peux pas. Ah ouais. C'est pas grave, tu prends un cheveu et tu tires bien. Ouais. Un cheveu. Bah ouais, vis de corde. Enfin, ou plusieurs. Ouais. On m'a pas dit, mais sous les cheveux très longs. Ouais. Tiens, regarde là. Hey, ça fait penser à... C'est où qu'il y a un truc comme ça? Corcovado. Corcovado à... au Brésil. C'est au Brésil. Ah, ça c'est moche quand même. C'est moche. Ah, il y a des. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des. Oh, d'accord. Ah, si, il y en a alors. Des biches ou un truc comme ça? Je sais pas. Ah, des biches? Des lamas? C'est quoi? Aucune idée. Des lamas peut-être. Il s'appelle Serge quoi. Bon, allez, on va arrêter. Ouais. On devait pas prendre des billets pour venir à son concert. Si, si, bah là je fais la queue au guichet, là tu vois pas. D'accord. Ça donne quoi la recours? Signe, capitaine. Encore une cible, on arrive. Eh, hey, y'a du monde, hein. Ennemi désigné, par contre il est à peu près des civils. J'ai repéré un capitaine. Bon, il y en a deux à droite là-bas. Il y en a deux à gauche. Hein. Ah, il est là. Putain, il doit y avoir la moitié de la Bolivie. Heureusement qu'on a risqué notre peau pour détruire tout le monde. Je me fais celui-là, tu te fais le 2 là. Attends, je reprends en reco là. Je vois une ouais, mitrailleuse lourde. Et où le dernier là? C'est bon. Alors tu m'as dit, je t'écoute. Moi ouais, je fais le 2 et toi tu fais le 1. Non, bah non, il s'en va le 1. Ouais, il est parti. Ouais. Il faut le capturer, alors comment ça joue? Et sinon, est-ce qu'on peut. Putain, il y a du monde là. Il va me voir là. Sinon, il y a l'option flash pour les 4 là. Flash bang. Ouais, les 4 de droite. Ouais. Hein. Qu'est-ce t'en dis? On va Oh là là, on va alerter du monde là. Il y a du monde là. Ou alors, il y a peut-être le leurre. Si on fait un leurre ou. Ouais, mais ça prend pas une grande zone le leurre. Mais c'est pas faux, peut-être envoyer un leurre là-bas. Tiens, vas-y, fais le 1 là. Tu l'as ou pas le 1? Je balance une grenade de diversion. Yann ou quoi? Je peux faire lui là. Non, non, si. Cible éliminée. Ok, j'ai eu les deux là. T'as eu les autres de l'autre côté? Ouais, y en a un autre là, mais. Je laisse s'éloigner l'autre. Moi je te propose un petit pain de C4 sur la voiture. Juste au cas où. Ouais, pour pas qu'il s'en aille. Au cas où ce soit sa voiture. Ouais, il y en a un juste à côté de la voiture là. Attends, je vais voir si je peux le décaler pour le faire. Tu peux le marquer. Tac. Charge amorcée. T'es où? Ok. Alors. Oh, y'a du monde là. Ouais. Ça va être compliqué de se faire tout le monde. Hein. T'as un mec qui est là, celui tu peux shooter. Une balle. Sur la route là ouais. Une balle. Ok. T'as un deuxième qui va dans sa direction. Oh, je shoot pas tout de suite. Ouais, vas-y. Ah, il faut le capturer en plus le mec. Vas-y, shoot-le. T'as shooté ou pas? Non, c'est bon. Éliminé.
Je trouve que celui qui s'en va là. Je le vois pas. Ah, j'y étais juste. Vas-y, on l'attrape ici là. À risquer notre peau pour détruire tout le merchandising. Vous imaginez le monde? Bizarre. Stop. Ouais, je l'ai. Tu l'as quoi? Non. Putain, j'ai crevé. Putain. Oh là là, merde, je te reste. Merci. Bah, elle a eu peur. D'accord, il est avec toi là ou pas? Ouais, ouais. Ok, on va ménage. Putain. Oh, je suis mort, laisse tomber, ils sont tous apparus là. Il a peur pour l'instant, il se cache. Ouais, alors attends, c'est juste que. T'es où toi? Il y en a un derrière la voiture là. Il y en a un à côté de moi, je le vois pas. Ok, je te raise. Putain, j'essaie de faire un peu de ménage encore. Ouais. Il est là. Je l'ai. Ouais. Ok. Il en reste que deux. Ok, j'arrive avec l'hélico. Je vais chercher l'hélico. Je vais vous couper la tête et tous vous chier dans le cou. Ferme ta gueule, Ombré. Pour qui tu te prends de me parler comme ça? Tu m'arraches à mon show, à mes fans, tu me forces à marcher, et maintenant, tu me parles sur ce temps. Mais t'es à la verga, ouais. El Sueño va t'enfoncer un bazooka dans le cul et t'y laisser, hein? Pas besoin de tirer. Tu vas crever comme un clébard qui a un bazooka dans le cul. Tu parles beaucoup de Sueño, mais je le vois pas dans le coin. Y'a que nous. Ton cul nous appartient. Mon cul appartient qu'à moi. Je suis El Chido. Ouais, ça on avait compris. Ok. Bon, c'était un peu limite tout ça. Hein. Oh, c'était correct. Bon, oh, c'était correct. Ouais. Ça va qu'il a eu peur qu'il est resté. On aurait pu faire sauter la voiture dès qu'on a déclenché les hostilités. En tout cas, j'ai bien vu qu'ils s'enfuyaient par là, j'ai voulu l'attraper, mais il y avait une foule, ils se sont tous enfuis par là en fait. Que chingados! Viens là, toi. Viens là. Hola, caballero. C'est un plaisir de te voir. Je te sers un verre? Je suis en garde à vue, parce que j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de mal. C'est vrai? Moi, tout ce que je fais, c'est juste pour montrer une image très authentique de la classe ouvrière mexicaine. J'ai lu cette critique, payée par Sueño. Bah, ça veut pas dire que c'est faux, hein. Au fait, j'adore ton nouveau clip de la plébé Andal, Ferrada. Le remix de DJ El Paso, c'est un truc de ouf, quand même. No mames! T'es une fan? C'est lequel ton préféré? Je te le chante si tu veux. Et après? Eh ben après, tu me fais sortir d'ici, hein. Abusamos de la Medicina, si je devais vraiment choisir. Il y a aussi Buchones Heredos, celui sur le narco qui se fait tuer dans la rue. C'est ça qu'on passera à des funérailles. Ah ouais, c'est clair. Attends un peu. T'as dit quoi, là? Je sais que t'es pas un boucher comme les autres enfoirés. T'es pas un sicario. Il vous a tiré dessus? Non, c'est un amour. Jamais un mot plus haut que l'autre. T'es juste un artiste qui écrit des chansons sur la classe ouvrière mexicaine. La Santa Blanca t'a forcé contre ton gré à venir en Bolivie. Mais oui, on m'a forcé. Moi, je voulais même pas venir. Je peux te protéger. Empêcher que ta voix d'ange finisse dans une prison secrète de la CIA. Je peux tenir tous les cartels à distance. Je peux même te rendre ta voiture. Mais il va falloir que tu chantes. Et le bazooka aussi de l'autre. Par contre... Tu vas me déballer tout ce que tu sais. Alors, mauvais état la voiture. J'avoue. Va chercher un stylo. Et un sacré paquet de feuilles. Il va être déçu, je crois. Clairement, la voiture. Je suis en train de fumer et tout. C'est un peu ce qui me fait peur. Tu sais, c'est pas parce que El Chido et sa bagnole ont disparu que sa musique va s'arrêter. Contre la musique, on peut rien faire. Mais El Chido va nous livrer tous les lieutenants de la Santa Blanca qui lui ont demandé un autographe. Quand ils apprendront que c'est une balance, on devrait avoir une vidéo là, normalement. Sa cote de popularité va en prendre un coup et celle de la Santa Blanca avec. C'est un grand moment dans l'histoire du Corrido. Putain, je suis fier de vous. On doit être les premiers militaires à marquer l'histoire de la musique depuis Tiens, voilà du boudin. Tant que tu te mets pas à chanter. J'aime bien les répliques, c'est marrant des fois.
Allez, je lance la vidéo. J'ai pas mon... C'est dangereux, la conscience. Ça y est, surtout pour celui qui en a une. Ramon Félix ne pouvait plus se supporter. Il était à deux doigts d'en finir avec la vie quand... Apparemment, malgré ses tout récents vœux d'allégeance, Félix avait encore un informateur attitré, Uncivato. Mais ça, je le savais déjà. Je m'étais arrangé pour ne rien rater de ce qui se passait sur son écran. Quel dommage. Si Ramon avait su ce qui l'attendait, il aurait sûrement choisi le suicide. Je sais pas s'il aurait vraiment choisi le suicide. Ouais, je sais pas, en tout cas, El Soigno, il assure, le mec, il maîtrise, ouais, il maîtrise la, tout. La pousse des plantes, l'informatique, la chimie. Ouais, il a, non, c'est clair, il assure. La communication. Tout. Ah ouais. Tout. Bon, bah écoute, une petite nouvelle zone finie. Je sais pas vers où on va continuer. Moi j'ai envie de dire à suivre au prochain épisode. C'est ça. Allez, à toutes.